Deuxième. Connor, il était collé à lui, pourtant vous l'avez vu pour jouer cette balle. Et tout de suite après, eh bien, il est reparti et en extension, il a contrôlé cette balle de Stich. Regardez l'amorti encore une fois. Et toujours là, Connor, pas surpris par ses balles. Et regardez le replacement, il est là, il avait senti le coup. Et attention, 15-40. 30-40. Et un ace. C'est le huitième seulement pour Michael Stich qui n'en avait plus fait depuis un bon moment. Point. Ah ouais, il s'est retourné vers le juge de ligne Connors en hurlant. Parce qu'il n'avait pas annoncé, parce que le juge de ligne n'avait pas annoncé la première balle de service faute. Il avait même fait signe que la balle était bonne. C'est Bruno Rebeu qui avait déjugé son juge de ligne. Là. Stich qui retrouve son service au bon moment. Ouais, Jimmy qui s'en prend au juge de ligne qu'on vous montrait tout à l'heure. Avantage Stich. L'art de mettre la pression sur les juges de ligne pour les points chauds qui ne manqueront pas de venir dans ce match. Ouais, sur le retour à dedans, c'est vrai aussi que les juges de ligne ont changé il y a très peu de temps. Donc peut-être que ceux qui arrivent là n'ont pas encore tout à fait le rythme du match, le rythme des balles dans l'œil surtout. Enfin là, il est rentré dans la partie de juge de ligne derrière Connors. Regardez ce retour. Qui choisit en ce moment de servir essentiellement le coup droit en première comme en deuxième balle. Voilà, Stich qui remporte sa mise en jeu, mais il était en danger. 15-40, il est revenu et c'est Connors qui s'est un petit peu énervé. Patrick Chen. Oui, alors je pense qu'il se passe aussi des choses tout à fait intéressantes là maintenant et définitives, même sur le cours numéro 2. Et Lionel, alors on vous propose ça dans quelques instants. Nous sommes en train de faire un recalage. On vous propose ça dans quelques petits instants, la finale, donc le final du match de roue. Vous reprenez l'antenne et on vous appelle dès qu'on est prêt. D'accord. Bon, on garde le suspense alors. Oui. Alors on revient sur le central, avec Stich qui a peut-être trouvé un peu son calme là. En tout cas, c'est à souhaiter, alors qu'on voit les yeux là, remplis de fureur de Connors. C'était un petit contretemps, mais bon, ça ne l'a pas désavantagé, puisque de toute façon, M. Rebeu, l'arbitre de chaise, avait annoncé cette balle de Stich dans le couloir, ce service de Stich dans le couloir. En tout cas, là, c'est vrai que c'est aussi l'illustration de la volonté de Connors de se concentrer là sur chaque point. Il sait très bien, Jimmy Connors, avec le métier qu'il a, que lorsque l'on commence un set, eh bien, il y a sans doute souvent une petite déconcentration du côté du joueur d'en face. Et lui, il voulait sauter sur l'occasion. C'est pour ça qu'il était aussi vindicatif, aussi furieux. Ça fait aussi partie du personnage, parce que là, c'est vrai qu'on garde une image extraordinaire de Jimmy Connors. C'est vrai qu'elle est vraiment extraordinaire, cette image. Mais oui, Patrick, on est prêt. Allez. Vous êtes prêts. Allez, bon, on y va, dépêchons-nous. On va sur le cours numéro 2, là, en enregistrement. Nous sommes à 45. Allez, je vous laisse faire, Patrice, parce que vous l'aimez bien, roux. 45 face à Raïté qui ne sait pas bien ce qui lui arrive dans ce cinquième set. Oui, Lionel mène 5 jeux à 3. Il a eu le break au début de ce cinquième set. Raïté est revenu, mais Lionel s'est battu. Il a réussi à reprendre le service de Raïté au jeu précédent. Il sert pour le match, pour sa première victoire dans ce tournoi de Roland-Garros. C'est sa première participation. Première balle faute. Ah, il en aura fait des aces. Je crois qu'elle est là. Et des services gagnants. À nouveau, première balle, 45, 5-3, plus de 4 heures de jeu dans cette partie disputée sur le cours numéro 2. Première balle faute, deuxième balle
C'est gagné, c'est bien gagné dès la première balle de match. C'est magnifique et je crois que ça va faire très plaisir à Alain Reynaud, son entraîneur et son père, alors qui était d'une nervosité depuis quelques jours. Ça valait le coup de montrer ça, non ? Alors moi, je vous montre autre chose très 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 vite sur le cours numéro 1. Alors là, ça va pas du tout, regardez, ça va pas du tout pour Guy Forget. Il a perdu le premier set, on l'a vu, 6-3. Il est mené dans le deuxième 3-0, rien ne va plus, alors que Voice la serre pour 4-0 à 45. Donc dans le quatrième point du deuxième set, on s'intéressera d'assez près. Si jamais Guy parvient à remonter, on vous tient au courant, bien entendu. À vous maintenant sur le central pour la suite de Connors contre Stich, passionnant. Et vous savez contre qui jouera Lionel Roux au prochain tour, Patrick? Eh bien contre Henri Lecomte, qui s'est qualifié ce matin face à Ciro, l'Italien. Et les deux joueurs, donc les deux Français, se retrouveront pour ce deuxième tour. Connors au service, 15 à. Connors égalise un jeu partout. Le central archi plein, bien sûr. Grand soleil pour l'instant sur le central. C'est peut-être parti pour une nouvelle après-midi historique avec Jimmy Connors à Roland-Garros. Ben oui, moi aussi j'en rate des smashs. C'est ça aussi sa force à Connors, hein. C'est que même au plus fort de la bagarre, il lui reste l'humour, il lui reste l'envie de jouer, de s'amuser sur un terrain après autant de matchs disputés, autant d'heures passées sur le court. C'est pour ça qu'il est si fort. Numéro 3. Ouais. Parce que tout a explosé en même temps. Elle a bien explosé en même temps. On voit pas trop de sourire hein, sur le visage de Stich. Ah non, ça, il y a un sérieux contraste entre l'exubérance de Connors et son plaisir de jouer aujourd'hui, comme d'habitude, et le sérieux de Michael Stich. Pendant que Stich changeait de raquette, Connors est allé. Discuter un peu avec les spectateurs là au bord du cours. Il a offert une fleur qu'il a décrochée au-dessus des panneaux publicitaires à une spectatrice, là au premier rang, qui s'empresse de mettre ce petit œillet à la boutonnière. Silence, s'il vous plaît. Quelle classe, Connors. Nastas lui avait appris beaucoup de choses. Hein. Je crois. Hein. C'est à son tour de mettre cette balle dehors. Et donc Stich qui gagne sa mise en jeu facilement.
blanc, 2-1. On va s'asseoir et c'est un petit peu le même scénario que tout à l'heure à l'attaque du deuxième set, c'est-à-dire qu'il y a une baisse terrible de tension et de qualité de jeu. Oui, surtout chez Connors d'ailleurs, hein, qui éprouve le besoin de souffler un petit peu. Ça fait maintenant pile 2 heures de jeu. Et là, vous voyez le résultat là, du match en cours de Forger contre Vuit sur le court numéro 1. Ça va pas très fort. Deux breaks de retard. Oui, c'est ça. Le score changeait à l'instant, mais c'était pour revenir sur le central. Deux breaks de retard, un set de retard surtout. Ça va pas très fort pour Guy Forger. Par Vuit, ouais, joueur numéro 1 belge, ouais, qui est rentré dans les 100 premiers seulement à la fin de l'année dernière. Pendant que Michael Stich fait un petit peu de peinture, devinez le fabricant de raquettes, voilà, auquel ce triangle correspond. Alors on pense souvent qu'il y a un modèle que les joueurs adaptent sur leur raquette et après ils le dessinent, finalement non. Mais ils le connaissent par cœur. Dessiner, ouais. Parce qu'ils ont tous des pochoirs dans leur housse, mais ils le connaissent par cœur. Ouais. Voilà, qui est fait. Allez, Connors est prêt, lui. Il attend Stich. Parce qu'on parle de raquette, à propos du cordage de Jimmy Connors, il faut remarquer que c'est le joueur qui utilise le cordage le plus fin, un boyau naturel français d'une jauge 7,5. C'est le joueur qui l'utilise sur le circuit parmi les meilleurs du monde, le plus fin. Alors, ça casse un petit peu plus souvent, peut-être, mais quel rendement. 15. Comme il ne paye pas ses cordages. Oh!